était très visible dans les sauts lancés, alors que dans les portées, un peu moins. Les images sont fabuleuses. Ah oui, oui, oui. Merci Jean-Louis, hein. C'était vraiment bien. Cachez ce sein que nous ne saurions voir. Ah, Nathalie appelle Fabien et Fabien n'a pas l'air de vouloir venir. On n'est pas comme ça, nous, les hommes. On nous appelle, on vient. Non, mais celui-ci, je pense que... Ah, mais c'est le thème du cirque. Eh oui, ah oui. Il a envie de s'amuser plus que d'obéir. Il est même effrayé. C'est leur programme de compétition qu'ils ont, je pense, un petit peu mis au goût du jour avec une mise en scène. Nathalie Péchelin, Fabien Bourza, j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait une place pour les quotas olympiques en danse nationale 2, donc ils auront une chance d'accompagner Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder. Écoutez, comme on a dit, comme pour les garçons, effectivement, ce sera les résultats des championnats, c'est les deux places. Après, il faut attendre les résultats des championnats différents, des grands prix bien sûr, pour décider de qui partira au jeu. Et qui restera à la maison. C'est vrai que c'est dommage quand il n'y a que deux couples, mais bon. Oui, c'est Isabelle, le champion voilà, du monde qui m'a un peu. Isabelle et Olivier n'étant pas présents au dernier championnat du monde, c'est vrai que ça a annihilé un petit peu les chances d'avoir trois places pour l'année prochaine aux Jeux Olympiques.
mais ils sauront bien défendre. Alors eux, ils sont à Moscou, hein ? Oui, ils sont à Moscou avec Alexander Zouline. Ils ont quitté Muriel Zazoui pour s'expatrier. Écoutez, on a quand même d'excellents coachs en France qui ont fait des champions olympiques, des champions du monde. Du temps de... Et Fabien continue ses études via Internet et... Et Nathalie, elle, travaille pour une compagnie française là-bas. La technologie fait des bonnes choses. On leur souhaite de préparer une nouvelle saison avec un programme aussi original que celui qu'ils viennent de nous présenter, qui était leur programme libre. Sous le grand chapiteau. Certainement, vous vous souvenez peut-être de ce couple champion olympique Thorvildine, voilà, qui avait présenté un programme sur le cirque absolument magnifique. Nathalie Péchala, Fabien Bourza, quatrième des championnats d'Europe, cinquième des championnats du belle monde. Belle performance cette année. Hein. Champion de France en titre en absence, on le rappelle, hein, d'Olivier et Isabelle. C'est du très haut niveau. Hein, on a des couples de danse de valeur. Il faut les laisser travailler tranquille, les laisser assumer leur choix aussi, ceux qui préfèrent rester à la maison et travailler avec un encadrement français ou un encadrement étranger, et ceux qui préfèrent s'expatrier. Mais laisser le libre choix et le libre arbitre à ces athlètes qui sont quand même décideurs et patineurs avant tout, avec leurs émotions.